Eh ben, salut, salut, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai vu sur YouTube. Vous connaissez le rappeur de MHD, celui qui est en prison et tout. Quand ça en parle sur YouTube, j'ai envie d'en parler, simplement. Alors, MHD, c'est qui? C'est une personne. La photo, elle va être affichée là ou là, je verrai bien là ou là. Je verrai, la photo sera affichée là sûrement. Je sais plus, mais là. Bref, MHD, c'est un rappeur qui a été connu. MHD, c'est un rappeur qui a grandi dans un banlieue de cité. Et il s'est fait connu en faisant des afro-trap. Et en faisant des afro-trap avec le clip Paris c'est Love Slutty, des trucs comme ça, les clips de Paris et tout, il faisait des clips afro-trap. Et il y a une vidéo qui parle de lui en disant. Il y a une vidéo qui parle de lui en disant que. Quand il y a une vidéo où il y a une voiture, il y a plusieurs morts, et ils sont en train de tuer le mec avec des couteaux, il est mort. Et le juge il accuse que c'est lui. Et après il a été en prison et tout. Et il y en a qui disent qu'il sortira de prison. Est-ce qu'il sortira de prison? Moi je sais pas avec ce qu'il a fait. Je crois pas. Il y en a qui quand il y a une soeur à lui au coup il a dit mon partenaire il est revenu, il est là et tout, il est tout. Et après, en fait, c'est pas vrai, elle a menti et tout. Imaginez, c'est un rappeur qui rappe en faisant des clips et il rappait. Et après, il a été jugé par rapport à. Depuis un moment, mais il est en prison, il a été jugé par rapport à. Qui était dans la banque du groupe. Dans la banque du groupe où il tuait des. La personne qui était à terre tout seul, et c'était à 10 sur lui, et dans les dizaines de personnes, il avait imaginé avec le pull et tout. Et après, il a été en prison et tout. Mais moi, je ne crois pas qu'il va être. Moi, là, il est en prison, ça c'est sûr, mais il y en a qui dit qu'il sortira. S'il a fait ça, on se demande pourquoi il a fait ça quand on pose des questions. Moi, je suppose qu'il a fait ça pour aider des amis à lui. Peut-être il galérait, et à un moment il galérait et tout, après il s'est dérangé, hop, ils l'ont défoncé et tout avec un couteau et tout, et la personne est morte bien sûr, ou je crois elle est morte ou à l'hôpital, je sais plus, et vous me direz en commentaire si elle est morte ou à l'hôpital, imaginez c'est un rappeur d'afro-trap qui fait des clips et tout. Et il est fan de lui, je suis désolé s'il y a des fans à lui, de imaginer. Mais il est en prison et. Mais je crois qu'il sort. Je crois qu'il va rester ou il sortira. Et apparemment aussi, il y a une vidéo où il montre. Il y a une autre vidéo où il montre. Il y a une personne en cellule, il prend en vidéo et on voit imaginer sortir de prison. Est-ce que c'est lui? Ça, c'est compliqué à truc. Est-ce que c'est lui? Oui, non, c'est compliqué. On sait pas. Si c'est lui ou c'est pas lui. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur imaginer. Est-ce qu'il sortira de prison? Est-ce qu'il restera en prison? Moi, ça va, je suis pas fan de lui. Des fois, ça m'arrive d'écouter des musiques à lui qu'il avait fait avant. Même avant, j'écoutais des musiques à lui. Mais là, je sais pas si imaginer il sortira de prison. En tout cas, j'en sais rien, mais apparemment il s'est évadé de prison quand il avait essayé si c'était en ligne. Et il a escaladé le grand grillage à fil de la prison. Et ça, c'est compliqué. Si MHD sort ou MHD sortira pas, ça, on peut pas savoir. On verra bien s'il est sorti ou il y en a qui disent sur YouTube, ils disent qu'il est sorti, il y en a qui disent qu'il s'est enfui, d'autres ils disent qu'il est resté en prison. Il y a beaucoup de on dit, mais moi je suppose qu'il est resté en.
En prison, moi, pour moi, justement, il y a du rester en prison. Moi, pour moi, c'est sûr, il y a du rester en prison. S'enfuir avec la vidéo qu'on a vue, le mec qui a dit c'est MHD, et sorti de prison avec une longue file et tout, et il a fait ça avec les trucs. Il y a des voitures qui. Il y a une voiture qui attendait à l'extérieur, il s'est enfui carrément. C'est chaud. C'est imaginé, mais moi, je crois pas c'est imaginé. Après, dites-moi votre avis en commentaire. Et voilà, dites-moi si c'est vrai que je dis, ou voilà, c'est vous décidez si est-ce que y a personne dit ça, y a youtubeur dit sur YouTube, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, imaginez des trucs comme ça. Moi, je crois pas, il est pas sorti de prison, imaginez, il est encore là. Il est encore en prison. Pour moi, mon ami, il est encore en prison. Mais il y a beaucoup qu'on dit, quoi. Imaginez, et voilà. Il fait des vidéos, des clips de race, et en fait, c'est un jeune qui a grandi dans une banlieue cité, et voilà, il s'est fait connu par rapport à ça. Et par rapport à des clips d'afro-trap, je crois que c'était le seul rappeur français en faisant des clips rap afro-trap. Et ces clips, ils étaient bien. Et voilà. Et moi, je crois pas qu'il est en prison. Après, chacun son avis, dites-moi votre avis en commentaire, et voilà. Bref, j'espère que vous avez aimé ce sujet de imaginer. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous en activant la clochette, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé la clochette, abonnez-vous en activant la clochette. Si vous êtes connu comme ça, je parle des sujets de rappeurs. Dites-moi en commentaire et si vous êtes connu, mettez des likes et abonnez-vous et partagez si vous êtes connu comme ça de sujets que je parle des rappeurs et tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez un like.